Au quartier du Polygone, les maisons poussent comme des champignons. 150 pavillons vont sortir de terre d'ici 2017. Un quartier cossu comme les autres, où les maisons s'alignent et se ressemblent. Sauf qu'ici, les résidents ont tous un emplacement pour caravane. Les locataires sont des gens du voyage. À l'origine, le quartier du Polygone est un terrain vague, à 10 minutes du centre-ville de Strasbourg. 170 familles françaises, depuis des siècles, se sont installées ici, depuis les années 60. Des manouches, originaires du Nord-Est, et des gitans espagnols. La plupart vivent des aides sociales, de la ferraille, ou travaillent sur les marchés. Mais depuis 2005, la mairie a décidé de les reloger progressivement dans des maisons. Une maison, un rêve pour la plupart des Français, un cauchemar pour certains gens du voyage. Depuis un an, 50 familles ont emménagé dans les premiers pavillons. Le confort, mais à quel prix? Comment vivent-ils ce nouveau mode de vie? J'ai ressenti vraiment une tristesse, quoi. Très forte, quoi. Je n'ai même pas dormi dedans. Pendant tout l'été, je suis restée dans ma caravane jusqu'à temps vraiment qu'on ne supporte plus de ne pas rentrer. Après, j'ai dû obliger par la force des choses. Et dès que je peux, je rentre de nouveau dans ma caravane et je vis dans ma caravane, même avec la maison. L'eau est très chère. On s'est rendu compte que c'est une catastrophe. Hein. On n'a pas l'habitude, donc on essaye de faire attention à l'eau. Une fois qu'il va payer, il va plus dire un peu. Vous comprenez ça? Bonjour, mon cochon. Ma vie, on boit un tonnerre? Bon, d'accord. Si nous dieux, demain, vous y allez. Ils sont bien gentils, hein, Fidji. En fait, comme on ne connaît pas tellement nos droits, alors on est rentré dans cette maison pensant que ça. Ils nous ont promis que ce serait bien, que ce serait mieux, qu'on aurait le confort, mais ils ne nous ont jamais laissé le choix de prendre une décision pour savoir comment on voulait vivre. Nous, on a l'habitude donc de voyager, d'avoir un pied à terre, mais de voyager la plupart du temps. Et là, on se sent vraiment pris dans un piège. C'est vraiment pour nous, on ne s'attendait pas à avoir des réactions pareilles. Même nos enfants ne sont pas contents. Je ne me sens pas à ma place, c'est pas du tout adapté à nos besoins, quoi. 50 pavillons, flambant neufs, charpente en bois, fenêtres PVC, panneaux solaires, jardin. En apparence, tout le confort pour une vie meilleure. Mais à peine un an et demi après leur construction, les failles apparaissent sur les façades, les fissures d'un travail bâclé. Toutes les familles constatent de nombreux défauts dans leur maison. Voilà, la salle de bain, elle est là. Et il faut voir la moisissure qu'on a ici, là. On peut peindre deux, trois fois, ça revient, voilà, c'est la même chose. Alors j'ai ma petite fille qui a une petite. J'ai dit, arrête de prendre les douches là-dedans. Fais-le chez toi, là-bas. Voilà, ça, c'est ce que vous voulez que je fasse. Donc j'essaie de demander une autre maison, voilà. S'il y en a une d'autre, pour moi, c'est quand même trop gros. Voilà, comme j'ai perdu ma femme, alors. C'est pas trop intéressant à rester là-dedans. Ça ne m'a pas porté chance. Je présente le salon, l'inondation qu'on a derrière, dans la cour, puis les calages qui sont cassés.
bien sûr, ça. Ah. C'est bien sûr. Depuis qu'ils ont fait les maisons, on ne voit plus personne. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et par contre, là-bas, quand on était là-bas, on voyait tout le monde était dehors, on faisait une vie. On faisait tout là-bas. Mais là, c'est fini, il n'y a plus rien. On ne voit plus personne. Les anciens logements d'Albert et de Dolores étaient ici. Ils ont été rasés pour laisser place à la seconde phase du projet de renouvellement urbain. 44 nouveaux pavillons, livrés en mai 2014. Dolores retourne sur les traces de son passé. C'est l'ancien emplacement qu'on avait avant de rentrer dans la maison, donc ça c'est des nouvelles constructions. Hein. Voilà, c'était à peu près la dernière maison où j'avais donc ce terrain. Les grues sont venues, donc démontées, ça a été brusque. Ça fait droit, quoi. C'est tout un passé, on a des souvenirs, tout ça d'enfance, tout ça, qui est parti. Comme si vous voyez votre maison détruite, c'est pareil, hein, on était quand même attachés. On est là depuis les années 70, la famille Goretta, donc c'est sûr que c'est tout un changement. Hein. On ne s'adapte pas aussi facilement. On était plus libres, on pouvait se réunir, faire des fêtes ou avoir des partages, tout ça. Être ensemble, quoi. Nos familles pouvaient venir, nos enfants pouvaient venir. Aujourd'hui, on est quand même limité, on ne peut pas recevoir nos enfants. Donc c'est triste. La liberté, l'espace, un autre monde juste à côté. Sur le terrain des Gitans, la vie passée de Dolores. Diaz, Moreno, Heredias, ici on retrouve les noms de grandes familles de Gitans de France. Des clans habitués à vivre ensemble, avec leurs règles et leurs codes. Mais dans 4 mois, ces familles vont elles aussi changer de vie. Là, on est au polygone, 45 rue de la Rio Postal, quartier gitan, quartier espagnol, quoi. Avant, c'était un terrain vague ici. Et le maire, il nous a laissé faire mettre des algécos. Les autres, ils ont fait des chalets, des petites maisonnettes pour les enfants. On vit mal. C'est insalubre. C'est très sale ici. C'est vrai. On vit avec les rats. C'est la vérité. Voilà, c'est celle-là. Mon fils et moi. Tranquille là, non? On serait bien, 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 bien tranquille. Là. Enfin, de ma part à moi, je suis bien content. Et il y en a beaucoup aussi qui sont contents aussi. Ils ne veulent pas le dire, mais c'est la vérité. Pour vivre comme ça, c'est pas non plus une vie. Hein. Mais je ne sais pas si je vais arriver à payer. Si je vois que je n'arriverai pas, par la suite, je laisserai et je partirai en bas. Voilà. Tu viendras manger, hein? C'est des pâtes que tu vas faire. Oui, des spaghettis à la bolognaise. À la bolognaise, oh là là. Avec de la viande hachée, champignons. Oh là là, c'est super. Et puis il y a ceux qui refusent d'y croire. La peur du changement, la peur
de perdre ses racines. J'ai 68 ans. À 68 ans, j'ai pu respirer dehors. Je peux savoir ce que c'est le voyage. Et les coutumes, là, on n'aura plus de coutumes. Ceux qui restent, les jeunes, ils n'ont plus de coutumes, plus rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans ces maisons-là si on ne voyage pas? Qu'est-ce qu'ils vont garder des gens de voyage? Qu'est-ce qu'ils vont garder les enfants, les jeunes? Qu'est-ce qu'ils vont garder? C'est le bout. On ne pourra plus respirer, plus de caravanes, plus rien du tout. On ne pourra plus voyager. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas garder nos caravanes. On n'a pas de place pour mettre nos caravanes. On sait qu'on va les mettre dans le toit de la maison. Alors on ne pourra pas voyager. Il faudra qu'on reste enfermé toute la vie. Les jours qui nous restent à vivre, enfermés dans une maison comme ça. C'est obligé qu'on a des enfants familiaux. Et ils nous ont obligés. Ils nous ont obligés à prendre les maisons. Parce que si quelqu'un dit qu'on était d'accord pour prendre ces maisons, on n'a jamais été d'accord. Seulement, ils nous ont obligés. Parce que sinon, ils nous chassaient du terrain. On était expulsés. Qui est boucate? Pour aller où? Pour aller où? Je ne veux pas l'accepter. Je ne veux pas l'accepter. Je n'accepte pas. Et je veux accepter que je dois rentrer dans la maison. Mais comme je ne veux pas, je ne peux pas l'accepter. Je suis mal. Je suis mal dans ma peau. Je suis malheureuse de savoir que je vais rentrer là. Vous voyez, enfermée, quatre murs comme ça. Alors que j'ai 68 ans. Voilà. Le mot est là, ça va tout renfermer. Ils veulent nous, je ne sais pas le dire en français, ils veulent sédentariser. Voilà, mais nous, on n'est pas des sédentaires, je m'excuse. On est des gens du voyage. Gens du voyage. Ma maison, c'est ma maison, c'est ma caravane. Moi, j'ouvre la porte, j'ai un espace vert devant, vous voyez. Voilà, je me mets dans le sud, j'ouvre la porte, j'ai la plage devant. Là, qu'est-ce qu'on aura des voisins? Mais bon, s'il faut s'habituer, on va s'habituer. Mais alors mal, très mal. Il faudra des années pour s'habituer. Voilà. Moi, je ne voudrais pas rentrer du tout. Voilà. À 10 minutes de là, le centre-ville de Strasbourg. Empreint d'histoire et de culture. Images de cartes postales où se croisent les Strasbourgeois et les touristes du monde entier. La ville entretient son rang de capitale européenne et humaniste. Sa politique envers les gens du voyage est souvent montrée en exemple et son projet au Polygone est l'un des plus innovants et ambitieux de France. Derrière, une volonté de se réapproprier des quartiers longtemps délaissés. Vous avez ici la tranche 1 qui est aujourd'hui réalisée, la tranche 2 qui est en cours, et puis les tranches 3 et les tranches 4. Donc c'est le terrain, et puis les tranches au fur et à mesure de la réalisation des constructions. Même si on est sur des gens issus de la communauté du voyage, si certains voyagent encore ponctuellement, le mode de vie, et il faut aller au-delà de ce qui est revendiqué et voir aussi la réalité de ce qui se passe, on est sur un mode de vie qui est essentiellement sédentaire. Donc la réponse doit aussi être adaptée. On est sur des populations qui ont le droit à un logement décent, à un logement digne. C'est quand même l'investissement public entre les bailleurs, la collectivité, les différents financeurs. On parle de 32 millions d'euros sur ce projet. Et ensuite, ils ont des devoirs. Eh bien, les devoirs, à un moment donné, c'est tout simplement de payer ce que tout à chacun paye dans sa vie, dans une ville, un loyer, des charges, les frais de fluide. Et finalement, là, on en revient simplement sur un principe d'égalité. Mais l'égalité de tous, c'est l'égalité de droits et de devoirs. Moi, quand j'entends certains habitants qui me disent ce qu'ils regrettent, je trouve qu'on est dans l'imaginaire complet. Parce que c'est pas forcément ce que moi j'ai vu sur ces terrains. Cette convivialité qu'ils évoquent régulièrement, elle existe peut-être par groupes familiaux, mais moi j'ai aussi vu des querelles de voisinage, j'ai vu des jalousies parce que les uns pouvaient faire tel ou tel aménagement que les autres ne pouvaient pas se permettre, ne pouvaient pas se payer, j'ai vu des enfants jouer au milieu des rats, enfin voilà, il faut sortir aussi de cette logique de l'imaginaire, souvent, hein, je le dis, assez fantasmé, et même parfois par des gens qui n'habitent pas eux-mêmes les terrains. Loin de l'imaginaire, l'association Lupovino est confrontée
à la réalité du quotidien depuis une quinzaine d'années. Démarches administratives, formation, emploi. Ici, les 9 salariés aident les gens du voyage à s'en sortir. 412, voilà. Donc ce qu'ils veulent, donc le formulaire rempli et une copie de ton attestation. Je pense que ça doit être l'attestation de CMU que tu attends. Donc elle était venue me demander de remplir un papier pour la sécurité sociale. Ce que je fais généralement tous les jours, des demandes de CMU, des attestations CAF, des lettres d'huissier, c'est varié. Tout ce qui est administratif, des déclarations d'impôts. Ce sont des personnes qui ne savent pas bien lire ni écrire et ne comprennent pas toujours le sens des lettres, donc elles viennent me la faire lire et donc me demander de remplir des papiers parce qu'elles ne savent pas bien écrire. Heureusement, elle est là. Le service de la Poste ne souhaitait pas se promener sur les terrains et donner le courrier. Donc il nous dépose le courrier tous les matins et donc on le distribue et les familles viennent récupérer ce courrier. Donc là maintenant il y a ça en fait, ce sont les familles qui ont été relogées, donc leur courrier arrive directement maintenant, donc c'est le droit commun. Et en revanche pour les 100 familles qui restent, elles viennent toujours. Dans le vaste projet de relogement, Lupovino a joué un rôle central. Porte-parole des désirs et des inquiétudes des populations, elle accompagne les familles dans leur adaptation à ce nouveau mode de vie. Il y a des familles qui ont anticipé, donc qui ont priorisé aussi maintenant le loyer, les charges, etc. D'autres familles se sont fait surprendre par les premières factures. Ensuite, voilà, c'est, faut dire, c'est quand même très compliqué pour des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de payer un loyer ou des charges de façon régulière, d'avoir comme ça tous les mois des factures à payer. Après, il faut aussi apporter aux gens l'assurance que au début c'est peut-être dur et après on arrive à planifier, c'est aussi notre travail hein, au quotidien. Habiter en maison, ça ne veut pas dire perdre sa culture. Il y a dans d'autres villes de France beaucoup de familles qui sont en maison, qui sont en appartement et qui continuent à voyager. Cette culture tzigane, elle est très très ancienne. Hein, elle est, malgré toutes les difficultés, malgré tous les malheurs qu'elle a traversés, elle est toujours là. Et voilà, il y a une reconfiguration. Voilà. C'est toujours l'articulation qui est difficile hein, entre un ancien mode et un nouveau mode. C'est ça qui est difficile et c'est ce qu'on ressent dans leur discours. Mais moi, je suis optimiste, non, franchement. Alors, juste expliquer, vous a dit que... On va chercher les enfants à l'école. Et on va les récupérer, ils vont rentrer, on va prendre un petit goûter, puis on va se mettre au travail. Les activités ou les devoirs. Dame. Si les familles ont choisi de rester au polygone, c'est d'abord pour leurs enfants. Leur offrir une stabilité, un autre avenir, peut-être meilleur. Attention derrière toi. Ok, c'est parti. On sort les cahiers de texte. Ah mais c'est déjà fait, ils sont déjà au cahier chez moi. Et là, tout le monde a sorti son cahier de texte? Ouais. Ok, alors qui a pas de devoir, lève la main. La vérité. C'est vrai que voyager, c'est vraiment pas facile pour un enfant de suivre une scolarité entre guillemets normale. Hein. Bon, c'est possible, mais c'est vrai que comme les familles préfèrent que les enfants soient scolarisés, donc ils ont fait le choix de se sédentariser. C'est aussi pour les enfants. Il manque quelque chose. Voilà. Le montier dans la tête. Épée. Mm-hmm. Un vélo. Certains parents disent, voilà, je regrette un petit peu et j'aimerais bien que mon enfant, lui aussi, puisse avoir cette opportunité de pouvoir réussir dans la vie. Et c'est vrai que savoir lire et écrire, pour eux, c'est important. T'es d'accord avec moi? Oui. Tu fais ta page de garde, ouais. Ça tu veux, et dedans il y a genre des exercices, voilà, et des attends, dessins. Je te montre. Ouais, je te montre. Un peu te montrer. Moi je me suis fait des fois. Ouais, c'est bien, c'est aussi un cahier de brouillon. Par exemple,
là tu fais ton dessin, et en fait il y a ça, ça. Toi il y a des pages, ça, il faut les faire, il y a des coloriages. S'accrocher tous ensemble. Et on le voit, lui. J'en ai un, t'as pas vu? En fait, on est vraiment contents d'avoir les maisons parce qu'en fait, là pour l'instant, en fait, soit on dort tous en chambre, soit dans une petite chambre. Alors, comme on n'a pas notre espace à nous. Et là-bas, on aura une grande chambre. T'as quand les maisons, toi? Moi, nous 2017, parce que moi, 2017. Avec Mimi, c'est toi 2017. Toi, 2017. Ah, non, ta mère, tu seras la même rangée que moi. Ça commence dans 3, 2, 1, 0. Un jour, dans un pays fort, fort lointain, un roi et une reine décidèrent d'avoir une fille. Venez là, venez! Là, quand on chantait avant, il y avait quelqu'un qui chantait autour du feu, la preuve, il y a tout de suite une vingtaine de personnes qui viennent. Bon, ils vont un peu nous désunir, quoi. Parce qu'il y en a qui vont partir dans le sud de la France, il y en a qui vont partir dans les autres endroits. Bon. Après, ça va être difficile de faire un feu comme ça, devant une maison que on ne sait même pas si ça sera à nous plus tard. La nuit tombe sur le polygone et avec elle, son flot de questions. Le rêve de lendemain meilleur. Au milieu de changements qu'il ne semble pas maîtriser, désillusions, regrets, colère et espoir animent les gens du voyage. Entre deux mondes, entre deux modes de vie, ils vont devoir s'adapter. Le confort pour certains, l'abandon d'une vie sur les routes pour d'autres. La crainte de la fin du voyage.